Nous avons une donnée qui est une donnée d'une taille de n bits. Alors, la première des choses, on va la considérer comme étant un polynôme de degré n-1. Ou عندها, on a tout le symbole ou le nom avec le polynôme, le p de x. D'un autre côté, quel est le polynôme, le polynôme générateur g de x. Donc, on va faire le calcul suivant les règles de l'arithmétique booléenne ou l'arithmétique modulo 2. Et de cette division, on va obtenir un quotient et le reste à la division. Le reste de cette division, il y a la valeur de le CRC. Avant de voir en détail comment est réalisé le calcul pour obtenir le CRC, je tiens à faire une petite remarque. Il faut savoir que pour chaque protocole de la couche liaison de données, il a son propre polynôme générateur. Alors, comme à titre d'exemple, le polynôme générateur utilisé pour le protocole 802 et le polynôme générateur pour le protocole HDLC. Et bien sûr, pour chaque protocole, on a son propre polynôme générateur. Il faut comment le calcul, le CRC, il est réalisé. Alors, ce qu'on t'a il y a un calcul qui doit être réalisé au niveau de l'émetteur et un autre qui va être réalisé au niveau du récepteur. On va commencer au niveau de l'émetteur. Alors, au niveau de l'émetteur, on a un message de taille n bits. Alors, désolé, j'ai oublié de faire la séparation. Donc, on a un message, la taille de 1 bit. Donc, le message, on va lui associer un polynôme de degré n-1, le P de x. Sachant que l'émetteur et le récepteur, ils vont utiliser le même protocole. Donc, utilisant le même protocole de couche liaison des données, automatiquement, ils vont utiliser le même polynôme générateur G de x. Alors, la troisième étape, c'est de multiplier le polynôme terna P de x qui représente le message terna envoyé par x à la puissance k. Alors, k, c'est quoi? C'est tout simplement le degré dans le polynôme générateur. Par la suite, le polynôme P' qu'on vient d'obtenir, on va le diviser par le g de x. De cette division, on va obtenir un quotient et on va obtenir le reste. Le reste R de x représente le CRC. Pour finir, on additionne le P' de x à R de x et le résultat de l'addition représente le T de x, ça veut dire le message terna qui va être réellement transmis. Alors, on va faire un petit exemple. Alors, il faut savoir que dans la technique de code cyclique, pour calculer le CRC, on peut le calculer de deux manières différentes. Soit sous forme de polynôme, ou là sous forme de bits, ou là sous forme binaire. Alors, sous forme de polynôme. On a un message qui est une suite binaire. Le polynôme générateur g de x. Alors, c'est à titre d'exemple. D'accord? Alors, la première étape, c'est de transformer le message terna qui est une suite binaire en polynôme générateur. On sait que dans une suite binaire, chaque bit a le poids t. C'est le poids 0, le poids 1, le poids 2, le poids 3, le poids 4, le poids 5, le poids 6, le poids 7 et le poids 8. Donc, pour obtenir le polynôme représentant avec le message, on va multiplier chaque bit par x à la puissance t le poids t. Alors, on va prendre le premier bit 1, on va le multiplier par x puissance 8, parce que le poids t, c'est 8, plus 1 multiplié par x à la puissance 7, plus 0 multiplié par x à la puissance 6, plus 1 multiplié par x à la puissance 5, plus 0 multiplié par x puissance 4, plus 0 multiplié par x puissance 3, plus 1 multiplié par x puissance 2, plus 0 multiplié par x puissance 1, et on finit par
0 multiplié par x à la puissance 0. Alors, Anéa, quand je viens d'écrire le polynôme, j'ai commencé de la gauche vers la droite. Alors, et d'achève donc, bdaou toujours par le poids le plus faible. Donc, imaginez, c'est 0 multiplié par x puissance 0, plus 0 multiplié par x puissance 1, plus 1 multiplié par x puissance 2, ou yatala. Alors, une fois on a obtenu le polynôme, la deuxième étape, c'est de calculer la valeur, la deuxième étape, c'est de calculer le P' de x. Alors, le P' de x, c'est P de x multiplié par x à la puissance, le degré, t'as le polynôme générateur. Alors, le polynôme générateur, le degré t'as, c'est 4. Donc, on va multiplier le P de x par x à la puissance 4. Donc, quand on va faire la multiplication, radit kun adna x multiplié par x puissance 4 multiplié par x puissance 2 et on obtient x puissance 6. Parce que quand on multiplie deux nombres à la puissance, la multiplication radin jumao les puissances. Donc, 4 plus 2, t'atteins 6. La troisième étape, c'est de diviser le polynôme P' de x par le polynôme générateur, bien sûr, une division arithmétique. Alors, de la division, on va obtenir le quotient ou on va obtenir le reste. C'est bien le reste. C'est de travailler ou l'obtenir ou faire les calculs sous forme binaire. Alors, on a le message ou le polynôme générateur. Donc, ce qu'on doit faire en premier, c'est de convertir le polynôme générateur en une suite binaire. Alors, comment on fait? Tout simplement, on va multiplier chaque puissance par un 1 ou la 0. Est-ce qu'on doit multiplier par 1 ou là par un 0? Alors, le x puissance 4, donc automatiquement, ce sera un 1 multiplié par x puissance 4, plus 1 multiplié par x puissance 3, plus 1 multiplié par x puissance 1, plus 1 multiplié par x puissance 0. Entre le x puissance 1 et le x puissance 3, il manque une puissance, les x puissance 2. Alèche, la seule explication, c'est qu'elle a été annulée à cause d'un 0. Donc, de cette représentation, on va avoir 1, 1, 0, 1, désolé, et le 1. Donc, la suite binaire correspondant le polynôme, ce sera 1, 1, 0, 1 et 1. Alors, on ajoute n0, où le n représente le degré de g de x, les hua 4. Donc, on va ajouter 4 0. La troisième étape, c'est tout simplement de diviser le polynôme p' de x sur le polynôme générateur. Bien sûr, on va obtenir le quotient et on va obtenir le reste. Alors, sachant que vous avez beaucoup plus d'expérience dans le calcul arithmétique en utilisant des suites binaires que dans le polynôme, que la représentation polynomiale, donc j'ai décidé, fin de la vidéo, de vous montrer comment se fait la division arithmétique en utilisant la suite binaire. Alors, dans la division arithmétique ou l'arithmétique modulo 2, déjà, la division, ce qui va nous intéresser, c'est bien le reste. Alors, au lieu de passer son temps à chercher et à calculer pour obtenir le reste et le quotient, ce qui va nous intéresser, ou là, on va se contenter uniquement d'obtenir la valeur de le reste. Alors, comment on va calculer? C'est tout simplement faire des suites de soustraction jusqu'à la plus petite valeur, le reste. Dans l'arithmétique, la soustraction est comme l'addition. Elles sont équivalentes, car c'est le OU exclusif ou là le XOR. Qu'est-ce qu'on la soustraction? On doit appliquer le XOR. Dans le XOR, 0 mal 0, il y a 0. 0 mal 1, il y a 1. Le 1 mal le 0, il y a 1. Et le 1 mal le 1, il y a 1, 0. Donc, on va faire la première soustraction. Donc, 0 mal le 1, il y a 1. Le 1 mal le 1, il y a 0. Le 0 mal le 0, il y a 0. Le 1 mal le 1, il y a 0. Et le 1 mal le 1, il y a 0.
على بالنا باللي لي زيرو اللي غادي يجو دو سكوتي لا ما يأثروش في الحساب. دونك غادي نشوفو هنا بلي عندنا 4 زيرو qui n'ont aucun effet sur le calcul. Donc on doit ajouter, on va faire descendre 4 valeurs, 4 bits. Donc on a descendu les 4 bits. On va faire toujours le XOR. Donc le 0 mal le 1, radi yatena 1. Le 0 mal le 1, yatena 1. Le 1 mal le 0, yatena 1. Le 0 mal le 1, yatena 1. Et le 1 mal le 1, adna. يعطينا 1 0 دونك هنا شحال راه كاين عندنا من 0 عندنا 1 سول 0 دونك اون فا فير ديسونتر 1 سول بيت الوغ توجور اون فا فير لو اكزور دونك لو 0 مع لو 1 يعطينا 1 لو 1 مع لو 1 يعطينا 0 لو 1 مع لو 0 1 لو 1 مع لو 1 يعطينا 1 0 اي لو 1 مع لو 1 يعطينا 1 اوتر 0 دونك هنايا راه عندنا زوج تاع لي 0 دو سكوتي لا دونك شحال غادي نهودو من بيت زوج تاع لي بيت بعدا نعاود نديرو ان اوتر غزور دونك 0 مع لو 1 يعطينا 1 لو 0 مع لو 1 يعطينا 1 لو 1 مع لو 0 1 لو 0 مع لو 1 يعطينا 1 ولو 1 مع لو 1 يعطينا هنايا 1 0 دونك هنا عندنا ان سول بيت اي اون فا فير ديسوندر هنايا في لو 4 تاعنا غادي نحط نهودو لو ديرني بيت كي ريست دونك اون فا فير ان غزور اي اون فا اوبتينير 1 0 1 0 0 دونك هذا la valeur qu'on vient d'obtenir, le reste, non seulement, n'a aucun bit nehoudou, ou hadi la suite binaire, elle est inférieure au diviseur. Donc, on détermine que ça, c'est le reste. Et c'est le CRC. Donc, la dernière étape, c'est d'additionner hadi le message terna, le P' de X, qu'on a calculé tout à l'heure, additionner là le reste. Et, aide la suite binaire qui va être réellement transmise. Au niveau du récepteur, il va recevoir un message. Avec le message reçu, il va être divisé par le polynôme générateur. Ou comme j'ai dit tout à l'heure, le même polynôme générateur utilisé au niveau de l'émetteur, il va être utilisé au niveau du récepteur. Parce que les deux nœuds, ils vont utiliser le même protocole. Ou chaque protocole a son propre polynôme générateur. Donc, au niveau du récepteur, une division. Alors, si la division, c'est le reste à la division, il est égal à 0, donc le message il est correct. Si le reste à la division est différent de 0, on sait qu'il y a eu une erreur. Donc, l'exemple, on va considérer que le message qui a été reçu, c'est le même message qui a été transmis. Donc, on a fait pour vérifier est-ce que le principe fonctionne. Voilà. Donc, toujours, on va faire des soustractions en utilisant le XOR et au final, on va obtenir le reste qui est égal à 0. Donc, le reste est égal à 0, ça veut dire que le message a été correctement transmis.